Ultra, c'est Didier. Ça va? Pour cette saison 2, n'oubliez pas de mettre le code SHOW1 dans la boutique pour supporter le Lord gratuitement. Moi je l'ai fait, et j'ai gagné 100% de mes goulags pendant 3 jours. Si tu le fais pas, un pangolin viendra dans ton lit cette nuit te hanter, lol. Alors que nous réserve la nouvelle saison, chat? Qu'est-ce que ça nous réserve? Alors déjà, on va faire le B.A.B.A. Alors... Acheter le pass. Alors déjà les gars, premier réflexe pour tout le monde ici présent. Code SHOW1 in da boutique, boys. Et une fois que c'est fait... Let's go buy the fucking pack, boys. Ok, donc découverte du pack. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, alors ça c'est sur Black Ops. Oh, ok, cet opérateur j'aime bien. Sympa. C'est quoi ce truc? La Pharah 83? Nouvelle arme? That's a new weapon. Ok. Ok, on a un nouvel agent. On va tout regarder, les gars. Ah, ce sniper, il nous l'avait déjà sorti. Ah, la MP5 de Black Ops, elle va être mise un peu plus à l'honneur, je pense. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? La LC10, ok, on est sur une nouvelle arme. On est sur une nouvelle arme, les gars. Alors ça, on reconnaît, on sait ce que c'est. Oh, est-ce que ce sera le retour de la Uzi, chat? Donc, cet opérateur, vu et revu. Oh, holy crap. Mec, il est trop beau, le skin. Ok, le skin est trop beau. Ok, bon ça, on l'a déjà vu une saison entière. Ça suffit! J'ai l'impression de ne pas connaître, les gars. Le skin est magnifique. Petite trousse là. Avec. Alors, le skin est sublime, mais je reconnais. Ah! Ce serait pas la KCP. La KSP. KSP, ouais. Yes. Yes, yes, yes. Ok, bon, mais ils nous ont trouvé une méta sympa. Qu'est-ce qu'il est moche! Ok. Bon, il faudra s'arrêter au niveau 59 pour ceux qui ne le veulent pas. Bon, là, ils ont mis arme de merde. Oh, sympa le skin. Je suis curieux. Waouh. Par contre, les skins un peu colorés là, qu'il y a dans ce passe de combat, les gars, vraiment sympa. Ok, bon, ce sniper, on connaît. Oh. Eh les gars, il y a eu un vrai travail. Mec, enfin, ils ont mis un skin évolutif. Enfin. Ok, enfin les gars. Ok, c'est niveau 95 qu'il faut pour ça. Et qu'est-ce que c'est que cette arme? Fléchette empoisonnée. ce nom m'intrigue. Alors, beaucoup de couleurs. Et merci Kira pour les 6 mois. La Puna pour le gentil message et les 6 mois. Et Franck Voyage pour les 8 mois. Merci beaucoup. Ok, bon, ben maintenant, let's go découverte. À 9h, on va découvrir tout ça avec Sakzoui. Alors là, est-ce qu'on va utiliser le code SHOW1 pour la boutique? Alors, terres humides, on a ça avec lui, on a ce sniper. La dernière saison, j'avais absolument tout acheté.
Et c'était pas forcément enfin, c'était que des beaux skins. Putain, il est stylé, lui. Take care. Alors, là, à vue de nez, j'ai l'impression qu'il y a pas grand-chose à acheter dans la boutique, chat. Hein. On va pas se mentir. Oh. Ah, ça, c'est la nouvelle... Ah non, c'est pas la nouvelle arme, c'est le... Et on n'a pas accès au nouveau pistolet? Attends, arme, équipement. Modifier équipement. Tac. Secondaire. Tac. En fait, il n'y a pas de nouveau pistolet. C'était juste un skin giga stylé sur un flingue. Ok. Ok, je l'accepte. Et l'arbalète? Je l'ai pas vu, hein, la nouvelle arbalète. Hein. Regarde l'event. Alors, jouer. Passe de combat. Alors, c'est pas là. Événement contagion. Lancer contagion. Non! Ah! Ah! Wow! Vous avez vu ce qu'on a failli faire? Les gars, on a failli lancer Cold War, le jeu de merde. On a eu chaud. Hein. Ok, alors déjà, on a de la chance d'avoir spawn ici. On a la première nouveauté sur la map qui est juste là. Donc, première nouveauté. C'est ceci. Le fameux bateau qui s'est échoué. On voit qu'il y a des traces toxiques un peu partout. Alors, ok. Alors, une bonne zone à loot. Putain, il est énorme. Il est énorme. Ok. Là, c'est chouette comme zone. Ok. Grave sympa. Grave sympa comme zone, j'aime bien. Attends, est-ce qu'on peut monter là? Non, on peut pas monter là-haut. Je le voyais pas si grand. Je le voyais pas si grand, hein, le truc. Il se passe quoi, chat? Mec! Ok, c'est une cinématique. On spawn pas là-bas. Ok. Pourquoi est-ce que c'est griffé là? Mec, il y a une marque de griffe. Tout le monde est d'accord qu'ils attendent qu'une chose, c'est que je spawn là-bas. Ok. Merci King Marty pour les 5 subs. Non, ouais, ce que je voulais dire, les gars, c'est penser à faire le point d'installation viking là que je vous ai mis avec le tuto. Il en reste plus que 10. Il reste plus que 10 personnes, les gars. Donc, attends, mais je suis trop court, moi. Ok, il faut enchaîner sur le côté. C'est bon, avec la technique sur le côté. Je vais direct dans la cave, les gars. Oh non, pas ça. Attends, mais c'est des zombies ou c'est des... Ah! Ah! Pourquoi ils ont mis des zombies? Ok, donc il y a des zombies dans cette zone. En fait, il y a des mecs qui campent en plus de zombies. Ok, alors, ok. Oh, position 4 dans la file d'attente. On doit fumer 40 zombies?
Mais attends, est-ce que les zombies peuvent sortir du bateau ou est-ce qu'ils sont emprisonnés dans le bateau? Genre, est-ce qu'on va les retrouver sur toute la map, les zombies? Nouveau goulag. Non. Ah, oui. Oui. Ils ont un... Ok. Donc, alors, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un côté cheaté. Mais ils ont inversé avant, c'est là qu'il y avait la voiture, les gars, regardez. Et là, du coup, il n'y a plus qu'une petite planche en bois de merde. Et par contre, là-bas, regardez, ils ont les tonneaux. Donc, ils ont refait le même système. C'est-à-dire que ce côté est cheaté et ce côté ne l'est pas. C'est-à-dire qu'ils ont inversé la voiture de place. C'est pour les goulags, c'est dommage. C'est dommage, parce que en gros, ils devraient mettre ce truc à bidon des deux côtés. Ou au moins là-bas mettre une planche en ferraille que ça vole pas. Alors ok, on est du mauvais côté. On va checker ce que ça donne un peu du mauvais côté, entre guillemets. Oh merde. Oh là. Il m'a fait une turboglissade, les gars. Chaque zombie tué donne 500$. Mec, c'est juste trop bien. C'est trop trop bien. Allô ? Oui ? Ça va quoi ? Eh, ça va mon frérot, trop content de découvrir la nouvelle saison avec toi. Ouais, pareil. Mais moi je vais y aller gros. Quoi ? Bonne journée ? Non. C'est cool en tout cas la découverte avec toi frérot, j'ai adoré. Ah, Alors, il faut savoir. Alors, j'ai donné mon compte à une meuf que je connaissais pas trop, tu vois. Elle disait community manager et elle a mal orthographié ton pseudo. Ferme ta gueule. Ah ouais, d'ailleurs, on va falloir faire une commande, les gars. J'ai bloqué chaud sur Twitter. On va faire peut-être un truc pour le débat, ou quoi. Tu es trop tune sur le dos de tout le monde. Ah, bien sûr. Mec, t'as détruit mon pseudo, ça. Le chien, là. J'avoue que j'ai pas fait de portée. Ah, dès que j'ai vu ça, j'ai entendu des gens dire « regarde le pseudo », ça a fait hop, bloqué instant. Hein. Mais tu sais que ça allait super vite. À 25k, on peut le déban, ouais, c'est vrai. Et mec, tu sais qu'il y avait même pas 20 likes que j'étais bloqué. T'as rien à foutre, mec. Mais du coup, toi aussi, je prends l'animation là, direct, du bateau. Ouais, j'y suis allé un peu, mec, compliqué. Hein. Alors, j'ai eu le temps de faire une game, ça que j'ai fait un spawn là-bas et... C'est pas mal compliqué, mais les zombies donnent de l'argent. Honnêtement, à deux, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut. Après, en vrai, je pense que prison, il y a moyen de faire un truc aussi. Hein. J'ai pas le temps de voir. Bon, la cinématique, elle me nique les oreilles, gros. Mais en fait, elle est trop forte. Et on peut mais pas... oui, elle est trop forte. Elle est beaucoup trop forte et on peut pas la gérer. Alors, j'ai ma nouvelle pédale titre maintenant de, aussi pour le mute et démute. Sérieux? Donc, j'espère que ça marchera bien. Ouais, j'ai acheté une pédale exprès. Une pédale? Ouais, une p. Ouais. Allez go bateau. Ah, y'a un chop sur le bateau aussi. J'avais pas vu ça par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Le bip bip gros, il m'a fait mal fumé. Oh chaud, t'es en train de me. Et mec, et moi je suis bon client de ce truc là. Allez. Allez go. Oh mec, c'est le... Attention mesdames et messieurs, le bateau à destination de Verdansk va bientôt partir. Le bateau va bientôt partir. Joli move ça. Frérot, il y a qu'une cinquantaine de personnes. Mec, mais tout à l'heure il y avait 50 personnes sur le bateau. Mais ce que je te propose, c'est qu'on atterrisse dans la cale direct. Donc je sais même pas par où on y atterrit. Gros. Alors par contre, j'ai eu le temps de remarquer un truc gros. J'ai manqué la Farcus. La M16 au sol. Je sais pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'armes au sol. Hein, donc. Oh l'hélico, il va mec, découper les gens. Mec, il y a triple hélico. Oh là 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 là. Cette vision de cauchemar, mec. Ah non, la vision d'horreur. Mais mec, c'est n'importe quoi là. Imagine... Oh là, il y a un mec qui vient de se faire décapiter, gros. Non mais mec, quadruple hélico camion. On va dans le trou. Ouah, y'a un bat. Non. Je vais me faire découper. Un tombé sac. Oula, qu'est-ce que ça.
Je vous sens pareil. Deux tombés. Autre mec arrive. Crac. J'ai plus de balle. Hauteur. Il est où? Hauteur, ok. Tombé. Bien joué. J'ai qu'un putain de Pennington, frère. Comment on remonte, gros? Oh, activer l'événement zombie. Quoi? C'était ça là? Oui. Attention, il va y avoir des zombies. Oh, il y a des zombies en bas, mec, faut remonter là. Attends, mais. Ouais, mais viens ici. Bute-les. Ça fait la thune. Ah, mais j'ai pas de balle. Balle de quoi il te faut? Ah là, à droite. Attends, il me balance du sang dessus, c'est dégueulasse. Oh man. Crac dans l'hélico. Je suis dans la merde, hein. Est-ce qu'on peut les taper, tu penses? Oh mec, je suis dans la merde, hein. Mais t'es j'ai où? J'ai pas de balle derrière, je suis juste à côté. C'est quoi ce bordel? Y'a un mec en bas de l'hélico, je vais essayer de le fumer. Il m'a fumé. C'est bon. Oh, ce que je lui mets. Je suis knock, sac. Ouais, j'arrive, mais... C'est juste très compliqué là. Ouais, y'a une petite échelle. T'inquiète. Moi j'ai tué le mec. Ouais, t'es un monstre. Il te balance du sang. Mais il me chie. Il m'a mis une faciale. Oui. Comment je fais pour trial là, hein, du coup? Attends, je descends. Non, reste là. Ok, j'ai eu un kill apparemment. Ok, là il peut pas me tirer dessus. Si. Mec, en bas là. J'ai pas de balle en fait. Viens, ça souille. On se casse, on s'extrait ici. On les bute tous. Ah mais j'ai pas de balle, gros. Attends, mais je leur fous le feu, gros, à l'ancienne. Oui. Vas-y, on remonte. Mec, je suis un génie. Ils sont tous morts. Bien joué. Je suis remonté, moi, il faut vraiment des munitions. Mais mec, mais j'ai pas de munitions, en fait. Waouh, on s'en est sorti vivant. Non, y'a un joueur. C'est bon, j'ai un pistolet, j'arrive. Toujours en bas. Non, je suis monté un peu, je suis en train de chercher. Je suis là. Ok. T'as des balles derrière? Non, zéro. Dommage. Viens ici, il est ici, cet enculé. Crac, à terre. C'est enculé là. Allez, dégagez de là, les gars. Nice! Allez, ma gueule! Bien ça, tu vois, à deux ça se passe mieux là déjà. Ouah, c'est quoi ça? Je sais pas. Ok, tiens, tu veux essayer, frérot? Non, t'inquiète. Il reste du monde en haut, hein, d'après ce que je vois. Sur la minimap. Ok, on va remonter. Sexy! La zone! Quoi? Oh, on est mort. Vite, faut aller sur l'hélico, gros. Mais comment on remonte en haut? Viens, suis-moi. Oh non, je suis descendu! Oh putain, ouais, j'essaie de te récupérer un hélico alors. Vas-y, je sors. Ça va être tendu, mec. Ça va être vraiment tendu là. Oh, je connais pas trop, mais vas-y, je crois qu'il faut passer par là. Je pense qu'on s'en sort, gros. Oh, ça va être tendu. Oh, il y a des trucs de munitions ici. Go. T'es où, putain d'hélico? Mec, j'ai l'hélico. Vas-y, j'ai réussi à m'extraire, gros. Essaye de partir le plus loin possible. Ouais. Frère, on a réussi, let's go, sac. On a réussi, mec. Ah, ma gueule. Allez, vas-y, je suis là. Allez, mais trop facile à nous deux, là. Oui. Let's go. Mec, il y avait une caisse, par contre. T'as vu la caisse de mort? J'ai pas vu. Regarde derrière. Il y a une caisse tête de mort, là. Mec, on a survécu, frérot. Mec, c'est trop bien. Oh là, c'était pas évident. Franchement, mec, je suis content, là. Je suis content. T'as une carte? C'est toi, t'avais la carte. Mec, apparemment j'avais la carte. Ok. J'avais la fameuse carte pour ouvrir ce truc. T'avais la fameuse carte pour savoir où est-ce qu'on pouvait se faire enculer? Peut-être. T'es sûr, mec? Écoute... Tu l'as toujours, ouais, mais ouais, je peux plus ouvrir. On se stuff vite fait un peu ici, là, mais, de toute façon, mais je suis chaud pour qu'on se prenne au Toréa, peut-être, ou des conneries comme ça, tu vois. Mec, ça vient de tomber, là, à gauche. Vas-y, avance. Ah merde. Tiens, remonte-le, par là.
Vas-y, on se pose ici. Vas-y, frère. Là, là-bas, Saxi. Aïe. Là, sur la hauteur. C'est bon. Joué. Bonne zonade. Ouais, il a du GG. Hein. T'as déjà cherché? Bon. On va. Eh ben, écoute, on est pas mal. Ah, ça fait plaisir de sortir vivant ce truc. Ah, mais mec, 8, c'est. 9 kills. Deuxième spawn, on sort direct vivant, ça. Giga. On dit activer les zombies à l'hôpital dans le hall. Ah. Quoi? Attends, on vient. Le hall au milieu. C'est là, apparemment, sac. D'après l'autre les. Hall, voilà ici. Ah, ouais, mais y'a rien. Si. Ah non. Rien, ah non, non. Le problème, c'est qu'après, voilà, t'as les infos de chat aussi. Hein. Là, tu vois, l'autre entrée, derrière, machin. À l'accueil. Tu y es. Non, c'est pas là. Non, y'a rien. Ouais, je crois qu'on nous raconte de la merde. Hein. Ouais, je crois aussi. Allez, viens, on s'échappe. Il y est pas. En fait, honnêtement, je pense que c'est possible qu'il soit à plusieurs endroits, ce truc. Mec, il vient de voir une réa. Comment ça, il y a une réa? What the fuck? Je l'ai même pas entendu. Là. Bon, la FFR, elle marche toujours bien. Coucou Mich, ça va? Allez hop, on se rase. Alors, par contre, est-ce que ça te dérange? On va au nouveau... Ah, ok, bon. Voilà. Bon. Tu vas aller quoi, au nouveau tronc? Oui, au nouveau tronc. Tu vas aller, rien de fou quoi. Ok, je veux juste jeter un coup d'œil. Ouais, vas-y. Le nouveau trou, t'imagines on fait une win direct, frérot? Bah ça serait bien. Hein. Ah bah... Oh, fais gaffe, sniper en bas à droite. On va le fumer. Hein. Oh non, t'as pris la tête! Je lui ai mis. Oh non, t'as mis la tête! Je lui ai mis un quickscope, gros. Non! Je te jure que je lui ai mis un quickscope. Après l'eau. Ce qu'il a pris? Mais mec, c'est un de mes plus beaux clips là en fait. Mec, ce que je viens de mettre? Mec! Est-ce que. Assez pour passer dans le rewind de popcorn? La mage. Alors pour le moment, il y a le bateau. Il y a le bateau qui est nouveau. Là, je suis en train de me diriger vers le nouveau trou pour aller le voir. Il y a le goulag qui a changé, légèrement. Le goulag a changé, ça y est, après 4 mois, ils se sont rendus compte qu'il y en a un côté qui est avantagé. Mais du coup, ils ont avantagé l'autre côté. Ah, je sais pas si t'as vu, ils ont mis du coup les bidons de l'autre côté. Donc, et par contre, les mecs, c'est leur grand délire chez Acti. De quoi? Les trous. Ah, les trous, ouais, ils adorent. Mais je pense que c'est un complexe, hein. Mais mec, je pense qu'un des devs, il a jamais eu de gruyère quand il était gamin. Ouais, je pense, ouais. Ok. GG le clip, merci les gars. Merci beaucoup. Mec, il y a des... Ah ouais, mais gros. Mais tu sais qu'il y a encore des trucs en dessous, enfin bref. Oui, mais tu peux circuler, j'imagine, et ça peut te déboucher ailleurs à tous les coups. Alors moi, comme j'ai dit, je pense qu'il faut la prendre comme une pré-saison, cette saison, en fait. Je pense que t'as entièrement raison. Il va peut-être se passer un truc. C'est le 11 qui va se passer un truc. Je pense que là, c'est vraiment une mise en bouche pour activer l'histoire et expliquer le truc. Tu vois, là, tous les missiles sont ouverts, gros. Là où il y a les trous. Honnêtement, je pense que t'as entièrement raison. Que les zones... La destruction va arriver dans 2 semaines pour moi. Tu sais que. Enfin, des changements majeurs, quoi. Je pense que ça. On va avoir la saison un peu comme Fortnite. Tu sais, quand ils ont débloqué les petites bestioles là qui venaient. Ouais, ce truc de merde là, oui. Mais je pense qu'on va aussi avoir des zombies sur la map. Alors, possible. Alors, il y a un mode zombie, hein, il me semble. Viens ici, frérot. Alors, t'as la Milano et la Snowboard. Mais de toute façon, on va. Je suis super content d'avoir ce stuff, mec. Vraiment, de rien, j'adore. De rien, poulet. Franchement, mec. T'es... Mais pour moi, c'est pour moi. Ok, bah mec, putain. Je comprends pourquoi j'ai envie d'être un ultra moi aussi maintenant. Mais il fait plaisir. Tiens, 4000 balles, Autoréa, poulet. Et merci, monsieur. Mais faut le prendre comme une pré-saison. Clairement, faut pas le voir comme une nouvelle saison. Ouais, du coup, je pense vraiment qu'on aura ça aussi, frérot. Hop, tiens, on descend tranquille. Ouais, faut respirer. On m'a tiré dessus, hein. Non, mais je suis mort en 3 secondes, quoi, sérieux. Mais mec, je viens de sauter. Non, regarde. Bah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Wow! Non mais mec on a mec, pas de chance, c'est qui? C'est pas moi, pas de chance. Non mais mec, j'ai pas pu voir ce que j'ai pris. Non mais gros. Non mais moi j'ai vu ce que j'ai pris. À la microseconde où j'ai tiré dessus, il s'est retourné. Attends. Là t'es en train de me dire que je dois faire un goulag avec une Syntex et une smoke. C'est abusé la game, ouais, les gars.
Non. C'est dommage, on avait une très bonne game. Je suis vraiment dégoûté d'être mort comme un chien là. Bah non mais mec, c'était les meilleurs joueurs du jeu. Ah oui, oui, ah oui, oui. Par contre, c'est la Magris qui est toujours pas nerf. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun buff, ni aucune nerf ou pas en termes d'armes, ou c'est moi. J'ai l'impression. Alors, j'ai. T'as raison. J'ai